Mia? Mia? Je le sais que t'es pas loin. Je le sais. Oh, elle doit me surveiller. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la suite de Resident Evil 7. Eh ouais. Et du coup, la dernière fois, bon, on s'était arrêté juste ici en fait. Voilà. Et donc, on est reparti. On est reparti à la recherche de Mia. Mais cette fois-ci, j'ai un coup de boulon qui va me permettre d'ouvrir des placards. Donc ça, c'est cool. Bah ouais, je l'avais récupéré déjà la dernière fois. Allez, vas-y, ouvre-moi ça. Ah, un fusible. Et bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. Voyez-vous? Ok, nickel. Ouh! Mia? Fais pas la folle. Je sais que c'est toi. Je savais que j'aurais dû lui couper la tête. Mia? Je vais aller mettre le fusible. Ah bah non, il est pas là le fusible. Il est en bas. Mia? Je sais que c'est toi. Non? Putain, ah merde! Elle était pas ouverte cette porte. Attendez. Putain, elle va me sauter dessus, ça va être un truc de fou. Le fusible. Allez, vas-y. Voilà. Ça, tac. Yes. Maintenant, je vais pouvoir allumer l'électricité en haut, je pense. Mais d'abord, je voudrais bien... Elle était pas ouverte, cette porte. Ah bah si. Ah bah oui, c'est là que j'avais... Si, si, oui, oui. Mia? Mia? Ça va aller. Hein? Ça va aller, c'est moi. Faut la déglinguer. Je sais que tu ne voulais pas... Faut la déglinguer. Regarde-la. Regarde-la. Tiens. Vas-y, vas-y, faut la niquer là. Aïe. Ça, ouais, ça fait mal, effectivement. Vas-y, vas-y. Ah ouais, faut que je le retire. Vas-y, 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 vas-y. Mais retire-la, bon sang. Et je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Je... Vas-y, tire. Oh, la pute. Ma main. Non. Oh. Sérieux? Est-ce qu'il y a moyen que tu te lèves, Ethan? Parce que là, mon vieux, on est dans la merde là. Non, elle s'est barrée. Non, ce délire. Ma main. Ma main. Main, ok. D'accord, très bien. Oh, comment que c'est... Vas-y, ouais, on va mettre un petit peu de désinfectant. Ça va peut-être repousser, non? Non, pas du tout. D'accord. C'est normal que je peux plus bouger? C'est... Ah non, c'est que ma manette, elle marche plus. Où est-ce qu'elle est, la Mia? Hein? Écoutez, on va les mettre... Ah yes, on va allumer l'électricité, ça c'est cool. Voilà, vas-y, fais péter. Non! Ce délire! Ah ouais, sérieux? Excellent. Par contre, j'ai un souci, j'ai ma manette qui est tout le temps en train de se déconnecter. Est-ce que j'aurais plus de pile? Eh bien, c'est pas grave. Nous allons continuer au clavier à la souris. Après tout, c'est pas si mal que ça. Mia, t'es là-haut? Ouh, je le sais qu'elle est pas loin. Elle doit pas être si loin que ça. Déjà, on a une hache. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, ok. On va d'abord aller par ici, je pense. Mm-hmm. Oh! Ça, c'est bon. Oh oui. Ça, c'est bon. Yes. Bon, cool. D'accord. Ok. Voilà. Là, ça va le faire. Alors? Oh putain, il m'a foutu des boules le mannequin. Bon allez, on se casse de là. C'est parti. On va fermer ça bien gentiment. Ouh, déjà si on a ramassé un flingue, c'est qu'à mon avis, il y a de grandes chances qu'il va falloir tirer. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ils nous mettent des munitions. Ça sent mauvais. Ça sent pas très bon.
Ferme ça. Ça c'est con. Il veut pas la fermer. C'est quoi ce bruit? Attendez, stop. Pause. Voilà, impeccable. J'ai juste remis des piles dans ma manette parce que je suis plus à l'aise à la manette, tout simplement. Et je reprends, la porte se ferme toute seule. Normal. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On a le choix, on peut monter aussi également. Non. Non. Non! Mia? C'est toi? Mais tire! Je me casse! Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, viens. Vas-y, je t'attends. Vas-y, recharge, Ethan. Qu'est-ce qu'il est long. Allez, tiens. Allez. Merde. Les munitions, c'est très important dans les Resident Evil. Oh. Eh, c'est bon, là, non? Ah. Ah. Elle m'a dit je t'aime. Mais je crois que là là c'est bon là. Ouh. Tronçonneuse non. Je peux pas. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de me dire que Mia va se relever. Bienvenue. Ah putain. Ah le salaud. Ouh. Il m'a fait peur. Il m'a foutu les boules. Quel connard. Il a l'air en tout cas. Succès, notre belle famille. Il m'a dit quoi? J'ai tellement sursauté, j'ai même pas vu ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il m'a dit bienvenue dans la famille. Où est-ce qu'il m'emmène? Enfin, où est-ce qu'il nous emmène? Je crois que c'est eux, la famille de Gueudin. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. C'est Mia? Non, c'est pas possible. Mia, je l'ai achevé là. Qu'est-ce que... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Oh la vache. Où est Mia? Mia, à mon avis, elle est sur la table. C'est bon. C'est pas plus rien qu'un peu d'apprécier les bonnes choses. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de la Marguerite. Cette famille de Gueudin, mon vieux. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon. Et t'es taré? J'allais. C'est quoi, c'est une oreille, ça? Oh merde, oh merde, oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ce enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Putain, la grand-mère... Allez, fiston. Ah, le bâtard. Allez, vas-y. Oh, merde. Je parie que c'est encore ce flic. Petit poulet. Bouge pas, je reviens. Putain, comment que c'est chaud. Et la grand-mère, par contre, je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'elle se réveille, elle. Je sens qu'elle va se réveiller. Attends, il m'a éclaté la bouche, là. Il m'a pété des dents, ou je sais pas, avec son couteau. Grand-mère, ça va? Tranquille. Vas-y, vas-y. Faut que j'arrive à me barrer de là. Et ma main, elle a repoussé. Normal. Je m'étais pas fait couper la main tout à l'heure. Attends, et la grand-mère là. Tout à l'heure, elle va m'attraper la main. Elle est mal en point. Hein, hein. Ouais, bah oui, je vois bien. Bon, on va se... Attendez. On va prendre le temps de fouiller quand même. Normal. Mais après on va se casser de là, moi je vous le dis direct. Hein. Voilà. Ça, on ramasse pas. C'est quoi ça?
Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités d'État lancent un appel à témoins afin de retrouver la trace de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans. Disparus après s'être rendus à la paroisse de Dulvey le 9 de ce mois, les trois hommes, Peter Walken, André Stickland et Clancy Javis, sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. Ok, d'accord, donc ça, c'est nous qui avons fait les chasseurs de fantômes. Quand on était partis avec les caméras et tout. Ouais, ouais, ouais. On avait joué la séquence. Munition de pistolet, je prends. Par contre, je voudrais bien retrouver mon flingue. Ce serait pas mal. Bon, on se casse de là. Allez. Où est-ce que je vais aller? Attends. Avant de me casser de là, je vais d'abord... putain, je sais pas où aller, quoi. Il y a tellement de trucs, là. De l'herbe, je prends. Ça peut toujours servir, voyez-vous. Y a quoi dans le frigo? Waouh, c'est dégueulasse, quoi. Oh, c'est un truc de fou. Ok, on se casse de là. Est-ce qu'elle est fermée, cette porte? Elle a pas l'air. Bon, ok, très bien. On peut allumer la lumière comme ça? Non, pas du tout. Je vois, il y a une trappe là. Découvert. Ça va pas servir à grand chose. Oh! C'est quoi ça? Une botte! Ah ouais? Ah, regardez, il y a un truc à inspecter. Evelyne! Eh ben, ma petite Evelyne, t'aurais bien perdu ta botte! C'est bien possible! Bon! On se casse de là, mon vieux. Ah! Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, bon, bah, j'imagine que j'ai pas ce qu'il faut. Ok, ok, ok. On va se casser de là. On va plutôt passer l'autre côté. Elle est là, la grand-mère? Ouais, elle est toujours là, c'est bon. Parce qu'elle, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va se lever au bout d'un moment. Et elle va me faire ma fête, voyez-vous. Bon! Ferme! Vas-y! En tout cas... Elle a l'air plutôt grande, la baraque. Hein. Quand même, hein. Munitions. Bah non, j'ai rien pour... je peux pas. Il me faut une clé, du coup. Où est-ce que je vais trouver ça? Ah, merde. Ah, c'est con, j'aurais pu sortir par là. Oh! J'ai cru entendre des pas. Garage. Ok, ici, c'est fermé. Verrouillé de l'autre côté. J'ai la carte. Bah oui, j'ai la carte. Oh. Oh. Je... Qu'est-ce qu'il fait? Non. Je me casse. Je me casse. On va plutôt aller par ici. Garage. Ouais, bah oui, j'avais vu. La caisse a l'air fragile. Elle peut être cassée avec quelque chose. Ouais, avec quelque chose que je n'ai pas, j'imagine. Bon! Le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main. Je suis mort. L'autre, il va me tomber sur la gueule, je le sais. Attendez. Il n'y a pas un truc là à récupérer ou... Oh! Je vais me planquer. Je vais me planquer. Vas-y. Je reste là. Ouah, le salaud. On va y aller en se baissant tranquillement. Je me casse. Vas-y, vas-y, cours, cours, Ethan, cours. Yes. Ouais, va falloir que je fasse gaffe à lui, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si j'ai vraiment le temps d'inspecter tout ça, là. Parce que, voyez-vous, il va me... J'ai rien. Là, j'ai rien. Par contre, j'ai récupéré la clé pour ouvrir le tiroir. Ah, putain, c'est ça qui fait ce bruit-là. Tais-toi! Ok. On va essayer d'y aller tranquille. Il est où?
pitié. Putain, il me cherche. Casse-toi. Dégage. On va essayer d'y aller comme ça. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette. C'est mort. Pas la peine de te cacher. Allez, vas-y, je tente, je tente. Ah, le bâtard. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain, le bruit que je fais, mon vieux. Merde, c'est pas là la trappe. Ethan. 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 Merde. Vas-y, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Elle est où la grand-mère? Il l'a tuée la grand-mère ou quoi? Casse-toi. Où est mon petit Ethan? Il m'a vu? Oh, merde. Oh, il m'a vu ou quoi? Ah non. Putain. Oh. T'inquiète pas, je suis toujours là. Non. Casse-toi, cours Ethan. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me casse. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Merde. C'est la fin. C'est la fin. Casse-toi. Non. Oh. Vas-y, vas-y, cours, cours Ethan, cours, 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 cours. Vas-y, vas-y. Je suis parti de la famille maintenant. Non, 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 je suis parti de la famille. Que dalle, t'es malade toi. Je dégage de là. Vas-y. Allez, cours Ethan. Allez, cours, cours, cours. La trappe, elle était là. Elle est là, elle est là. T'es trompé d'adresse. Vas-y. Non. Allez, vas-y. Mais casse-toi. Oh putain. Non. J'ai perdu une jambe. Je suis mort? Ou pas? Vas-y. Donne-moi ma jambe. Ok. Vas-y. Laisse-moi. Avec quoi? Hein? Avec ça, je vais remettre ma jambe en place. Je crois que c'était fait exprès du coup, qu'il nous coupe la jambe. Vas-y, donne-moi ça. Ouais. RB, utilisez le remède. Ah ok, d'accord. C'est des potions pour faire repousser les jambes en fait. Wouah, c'est chaud. Ah c'est... ah, c'est plutôt pratique ce genre de potion. Ça va? Vas-y, casse-toi, 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 casse-toi. Ok, en fait c'était fait exprès. J'étais obligé de me faire attraper. Je reviendrai te chercher plus tard. Ouais, t'as raison. Ok, en fait on était obligé de se faire attraper. Ça va, ma jambe? Ça va, tranquille. Pièce antique. Ok, je prends. Je pense que je vais réutiliser une potion si j'en ai encore, non? Non, j'en ai pas. Ok. Vas-y, on se casse de là. On va essayer d'avancer tranquillement. Wow, il est au-dessus. Putain, comment on l'entend marcher et tout. Oh là là, comment que c'est chaud. Vas-y, il y a moyen de... Il y a moyen? Ouais. Oh yes, impeccable. On reprend ça, c'est quoi ça? Elles sentent horriblement mauvais. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà le bordel quoi. Oh, de nouveaux objets ont été ajoutés. Boîte de fourniture, pièce défense. Ok. Ah d'accord. Ok. Un système de coffre un petit peu à la Resident Evil 1. Vous voyez? C'est pareil. Plan de la résidence principale. Vas-y, donne-moi ça. Yes, ça c'est nickel. Ok. Y'a quoi là-dedans? Fluide chimique, de l'herbe. Je prends. Combiner des objets dans l'inventaire. Ouais, ok, donc normalement, si je combine une herbe chimique et de l'herbe, ça devrait me faire une potion, quoi. Voilà. Ah, ok, nickel. D'accord. Du coup, maintenant, je peux utiliser la potion. Voilà. Et là, ça va beaucoup mieux. Ah, bah regardez ça, mon vieux. Je galope comme un lapin. C'est impeccable.
Allez, vas-y. C'est déverrouillé. Ah ouais, ok, d'accord. Oh. Téléphone. Ouais. Allô. Vas-y, vas-y. Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Ouais, ça, j'ai compris. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Oh, la cicatrice. Ok, d'accord. Quoique la pièce antique, je peux peut-être la mettre sur la porte, dans le fond, il me semble. J'avais vu quelque chose. J'avais vu un truc sur la porte du fond. Je pense que... s'il est pas dans le coin... Voilà, j'avais vu des pièces ici, là. Non ? Ah non, pourtant ça y ressemblait, quoi. D'accord. Bon, bah je me suis planté. C'est pas ça. Oh, regardez. Regardez-le là-bas. Vas-y, vas-y. Hé, hey, par ici. Ouais. Ouais. Hé, hey, vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, bah, non. Il est taré, lui. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas. Je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? Mais il est taré, lui. Blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Mais je peux pas y aller. J'ai besoin de votre arme. Oui. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Ouais. Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. Bah quoi que tu me diras, ça m'aidera à enlever le ruban adhésif. Maintenant, au garage. C'est un ordre. J'y arrive tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Bah c'est déjà ça, quoi. C'est bien, moi je dis. Vas-y, on se casse au garage. C'est parti, mon vieux. Allez. Voilà. Déglingue-moi tout ça. Voilà. Impeccable. Nickel. Allez, appuie là-dessus. Super, ça s'ouvre. Hé, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais me croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, remontez cette porte. Oh putain, le son derrière. Wow. Saloperie. Je vais tous vous tuer un pas. Putain, mon vieux, le coup de tête qui m'a mis. Donne-moi ça. Clé de voiture. Arrête tes conneries. Vas-y, le bâtard. Vas-y, viens. Viens, je t'attends. Non. J'aurais pas dû. Vas-y, viens, je t'attends. Il va falloir faire mieux que ça, gamin. Allez, vas-y, viens. Vas-y, ramène-toi. Hein? Toi, tu penses pouvoir me faire mal? Ah ouais, ok, d'accord. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, rentre là-dedans. Vas-y, je pense qu'on va se barrer de là. Allez, vas-y. On se barre de là. Oh putain, merde. Tiens. Casse-toi. Regarde-le. Hein? Ça chatouille? Et ça, est-ce que ça chatouille? Oh, le gros bug, mon vieux. Comment qu'il s'est téléporté, quoi? Tiens, chatouille-toi avec ça un petit peu. Alors, ça te chatouille, ça? Allez, vas-y. Oh,
Oh le salopard! Ils m'ont enlevé le toit! Oh merde! Ah! Ok. C'est plus moi qui contrôle. Putain, le salaud quoi. Lâche-moi ça! Ah ouais, ok, d'accord. Non! Finissons-en, toi et moi! Je pense que c'est plutôt lui qui va avoir la tête dedans, mon avis. Là, c'est cinématique, hein. C'est pas moi qui contrôle. Non! A mon avis, c'est plus lui qui a eu la tête dedans que moi. Je pense. C'était sûr. Ah, il est encore. Il est encore tout souriant, tout pimpant. Les flics, quoi. Non. Tiens. Oh, ce délire, il est en train de prendre feu. Attendez. Il y a un truc à récupérer. Non. Arrête. Oh la vache. Regarde-moi le bordel que t'as foutu. Tiens. Prends ça. Merde. Putain. Mais c'est pas vrai ça. Vas-y, vas-y, remets-toi-en. Remets-toi-en, Ethan. Non, non, bah attendez, c'est bon. Et je la connais, le coup de... Il se relève. Non, non, il va se relever. Il va se relever ou il va m'attraper la jambe quand je vais passer à côté. Comme dans tous les films d'horreur, mon vieux. Tiens, c'est pour être sûr. Même pas. Et même avec ça, je suis sûr de rien. Il va se relever, c'est obligé, non? Est-ce qu'il y a moyen de se barrer de là, maintenant? Ah bah voilà. Putain. Regarde-moi bien. Oh le bâtard. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain. Il est malade. Comment que j'avais galéré à monter à l'échelle. Oh comment qu'il s'est troué la tête. Vous voyez. Je m'en doutais qu'il allait se relever. Allez vas-y monte là cette fois-ci. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'attend en haut bien sûr. Non, c'est bon. Impeccable. Cartouche de fusil. Eh ben ça, je prends. Qui dit cartouche de fusil, dit fusil. Donc, doit y avoir un fusil pas loin. Ah, intéressant. Peut-être un petit secret dans le tableau. Certainement. Non. Ah, ok, d'accord. Ah, bah ça, vous voyez, ça va peut-être sur la porte... sur la porte dans le couloir. C'est possible. Alors attends, est-ce qu'il y a moyen de passer maintenant par ici? Vas-y. Voilà, on décale ça comme ça, bien gentiment. C'est nickel. Et on se casse de là. Ok. Parfait. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller, dans le hall principal. D'accord. Attends, parce que il y a encore... disons qu'il y a encore le fiston. Et la femme. Et la grand-mère. Enfin, vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que... Le calvaire n'est pas fini. On peut tomber dessus à tout moment. Par exemple, là, il peut jaillir de la fenêtre. C'est possible. Disons que je m'attends à tout dans ce jeu-là. Voilà, c'était là. J'ai la clé, là, non? Attends. Ah non, ouais, c'est ça. Voilà. Nickel. Oh, yes. Bonsoir. Je vais fermer. Voilà. Ok. Ça me fait vraiment penser à Resident Evil 1. La façon que ça avance et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Shoot me, shoot me. T'es sûr de ça? A mon avis, il y a un secret à débloquer avec lui. Alors attends. Voilà, on va prendre le flingue. Voilà. Il est partout. Succès déverrouillé, il est partout. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donne-moi la plante. Je vais recharger. Voilà. Ouais, ça me fait vraiment penser la manière dont les choses avancent, en fait. Le coup, par exemple, de la statue de taureau, vous voyez, pour déverrouiller les portes et tout. Les petites énigmes comme ça. Ça me fait vachement penser au premier Resident Evil. Le 1. Moi, je l'avais à l'époque sur la GameCube. Franchement, j'avais kiffé. Pièce antique. Ok.
Ça marche. Je décroche. Mon père t'a donné du fil à retordre ? C'est ton père ? Il l'a été. Ah ouais ? Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi ? Arriver à quoi ? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ça marche ! Ok. Bon ! Du coup, du coup, on va prendre ça. Je pense. Ah non ! Il nous faut les têtes. Des têtes à trois chiens. Ça ressemble à quoi ? Attends. Ça ressemble à un chien à trois têtes. Il y a une cavité pour chaque tête. Ah d'accord. Va falloir que je trouve les têtes de chiens. Très bien. On va essayer d'aller par là pour voir. Ah, intéressant. Si je passe devant, ça fait une ombre. Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce que si je mets une pièce par exemple? Ah bah oui, vous voyez. Ah, en fait faut que je trouve un truc qui fasse l'ombre de l'oiseau quoi. Voilà. Un tableau intitulé Le chasseur des cieux. Il représente un chien qui regarde en l'air et aboie. Ok, bon, on se casse de là. Plus de 20 disparus en 2 ans. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène McDiff, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage. Oh, ça m'a foutu les boules. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je reprends la lecture. Une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage de Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police, qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents, compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un grand nombre d'effectifs dans la région. Aïssa Archroff, 19 janvier 2016. Ok, d'accord. Ça marche. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Ah bah non, c'est pas possible. Et ici? Non, c'est pas possible, il faut les têtes de chien. Ah, regardez ça, un petit placard. Ça, je prends, ok. Donc là, on a le choix, soit aller en haut, soit on peut aller voir ici. Je pense qu'on va aller voir ici. Ah bah de toute façon, c'est une petite pièce. Donc voilà, oh yes. Ah merde. Ça c'est con par contre. Ça c'est... c'est un peu couillon. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais ouais, va falloir que j'y repose dans les mains. Donc hop, voilà. Va certainement falloir que je trouve un faux fusil en bois à poser et que je le mette à la place du vrai en fait. Souvent, c'est des énigmes comme ça dans les Resident Evil. Evelyn, 2 mai 2014. On avait trouvé la botte, Evelyn. Non. Non, bah non. De toute façon, là, j'ai rien qui pourrait ouvrir. Ok. Oh! Oula, mamie! Oula, mamie! Elle, vous savez, elle est dans le fauteuil. Mais je suis sûr qu'elle est... elle a bien plus la patate que ça en vrai. Je suis sûr. Je vais m'approcher, elle va se lever, elle va me sauter dessus. Et puis vous inquiétez pas qu'elle va avoir la gnaque, hein. Mamie? Oui oui, là elle fait semblant. Elle fait semblant là. Vous voyez ce que j'ai envie de faire là? Ah je peux pas, je peux pas. Est-ce que je peux y tirer dessus au moins? Non, je peux pas. Je peux tirer à côté, mais pas sur la mamie. Elle, vous allez voir qu'elle va me faire chier. Déjà, je vais rentrer. Elle est plus sur son fauteuil, là. Quand je vais revenir, elle sera plus sur son fauteuil. C'est sûr. C'est obligé. Tiens, d'ailleurs, je vais fermer la porte. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouh, un grand couloir par ici. Je vais plutôt aller l'autre côté, pour le moment. On va aller voir par ici. Un casque. Oh. D'accord, très bien. Ici, ça doit être fermé. Ouais, c'est fermé. Ah, on peut planter comme ça, c'est excellent, quoi. Une salle de billard. Ah ouais?
Ouh, c'est quoi ça? Une pièce antique. Oh, tiens. Voilà. Ah, j'aurais dû le shooter du coup le premier que j'avais vu, mais je savais pas qu'il fallait tous les shooter. Ah bah voilà. C'est ça qu'il va me falloir. Il y a un fusil de l'autre côté. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un fusil de l'autre côté. C'est ça qu'il va nous falloir. Marguerite, vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et fous-le dans la zone de traitement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Wow, c'est chaud quoi. C'est assez dégueulasse. Ah! Une cassette de Mia. D'accord. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah on va quand même pas lire tout ça, si? Ah bah si, je crois bien. Oh! Une tête de chien! Yes! Je prends! Nickel, en voilà déjà une! Peut-être qu'il y en a une autre dans la poubelle. Ah, poudre à canon! Je prends. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'herbe! Je prends. Ah, je peux pas l'ouvrir ça! Sélectionner un objet, bah non! À mon avis, il nous faut décrocher. Bon, on va aller voir par ici. À mon avis, il va falloir descendre dans l'escalier. Vas-y, donne-moi ça. Ouais. Ouais, va falloir descendre par là, mais avant... J'aime pas ça. J'aime pas ça! Oh, je n'aime pas ça. Je déteste ça, mon vieux. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me sauter dessus là-dedans. La grand-mère sur son fauteuil ou je sais pas. Ah c'est obligé, il y a quelqu'un dans la baignoire. C'est obligé. Je vous parie, il y a quelqu'un dans la baignoire. En plus la porte se referme. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'équiper direct. Ah non, il y a personne mais c'est bien dégueulasse. Statuette en bois. Ok, je prends. Ça va peut-être nous servir à ouvrir la porte dans la salle de billard. Ouh, yes! Vas-y! Non! T'es sérieux? Genre, je suis plein. Attends. On va combiner ça avec ça. Voilà. Merde. Ça avec ça. Hop, comme ça. Voilà, ça fait des potions. Voilà, c'est bon. Je peux les prendre maintenant? Merci. Je prends. À mon avis, il y aura peut-être un système d'upgrade au niveau de l'inventaire. C'est possible. Une pièce antique. Attends, faut en faire la collection de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une crasse indescriptible tapisse dans la baignoire. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, je pense qu'on peut y aller. Ah, putain, bah arrête! Prends, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ah, tu m'étonnes! Tu m'étonnes, ça surprend! Attends, La petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de ce don. Je me casse. Merde, qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? En amont. N'aie pas peur. Merde. Putain. Où est-ce qu'il faut aller? Je sais ce que je vais faire. Je vais m'enfermer ici. Voilà. Alors? Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es bien emmerdé là, hein? Il s'est barré, vous croyez? Reprends ton fusil, il est où? Où est-ce qu'il est? Attends, attends, attends. Je te tiens. Vas-y, cours! Non, je peux pas! Attends, hé! Vas-y, là! Oh! Vas-y, lâche-moi! Lâche-moi! Je me casse.
Je me casse. Est-ce qu'il y a moyen là? Voilà. Vas-y, casse-toi. Je vais me soigner. Vas-y. Un petit coup de soignage. Reprends ça. Est-ce qu'il va me lâcher cette fois-ci? Je crois que c'est bon. Ok. Voilà. Alors ici, je pense... Voilà, ça va être l'histoire avec la statuette en bois. Et il va falloir représenter une silhouette d'oiseau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va être comme ça. Ah ouais, yes. Regardez. On y est presque. Putain, c'est pas évident, quoi. Voilà. Voilà. Yes. Nickel. Ok. Qui a construit cette baraque? Putain, ouais, tu m'étonnes, c'est un labyrinthe là-dedans, quoi. Attends. Il va y avoir le fils, la femme ou la grand-mère au bout. Ou pire, l'autre, le psychopathe. Toujours peur de tourner la caméra là-dedans. Bon. Oh. Plutôt pas mal par ici. Accueillant, j'ai envie de dire. Il est bien fait, le cerf. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir par ici? Oh, il y a un corbeau mort sur la porte, quoi. Normal. Merde. Déjà, lui. Toi. Casse-toi. Voilà. Psychostimulant. Vas-y. Utiliser les psychostimulants pour réparer les objets. Ok, d'accord. De l'herbe. Je prends. C'est ouvert ici. Ouais, c'est ouvert. Il y avait un bruit bizarre. Ça, ouais, je peux pas l'ouvrir. Ça, je pense qu'il nous faudra décrocher par la suite pour ouvrir ça. Oh! Ok, d'accord. Oh, comment que c'est glauque, quoi. C'est vachement glauque par ici. Ok. Oh! C'est quoi ce machin? Sérieux? Ah ouais, ouais. Oh, le bâtard. Oh, putain. Ça va, j'ai mis 3 balles, il est mort. Oh là là. Chaud, quoi. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Là, on commence... Vous voyez, on commence un peu plus... Oh putain, lui, c'est le psychopathe, lui, non? Sur le tableau. Là, j'ai envie de dire, on commence un peu plus à rentrer dans le thème Resident Evil, déjà. Quand on commence à voir des trucs comme ça, c'est dans le thème. Et ouais, et franchement, moi, je vous dis, celui-là... Ça fait grave penser à Resident Evil 1, le tout premier. Moi, pour moi, ça fait grave penser à ça. Bon, bah là... J'ai rien à mettre. Je pense qu'il faut une clé. On va tenter d'aller par ici. Ok. C'est ouvert ici. Yes. Oh! Un point de sauvegarde. Pouah, comment ça fait plaisir. Écoutez. La petite musique qui vous dit c'est bon, c'est safe quoi. Voilà. Ah, ça c'est cool. Ouais, là il nous faudrait une clé ou un crochet. Par contre, au niveau de l'inventaire, écoutez ce qu'on va faire. Ce que j'ai envie de faire déjà, c'est que j'ai envie de poser mes pièces antiques dans le coffre. La cassette, on va la garder sur nous. Poudre à canon, combinez-la avec du fluide chimique pour créer des munitions de pistolet. Ah ouais? Vas-y, admettons. Ah yes, excellent. Ça, on va faire une potion. Voilà, nickel. Et ben là, c'est pas mal. Là, on est bien, là, j'ai envie de dire. Ouais, ouais.
Courtney, ces enfoirés sont à mes trousses, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent comme clé. J'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol. Mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Ok, d'accord, nickel. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Resident Evil 7. En tout cas, là, franchement, ça avance bien. On commence vraiment à rentrer dans le thème Resident Evil, le thème du jeu et tout. Donc ça, c'est bien cool, franchement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les petites vidéos sur les côtés. Donc voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!